ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، الا ان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله. وذلك الوزن لم يسمعه الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى بيسوع الوزن. Allah subhanahu wa ta'ala by some benediction, those who have been Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, we will do the surah Jum'ah. Ya ayyuhal ladhina amanu ila nudiya li salati bi yawmi Jum'ati fas'adu ila bi'illah. Oba sabikina iman, dans un temps d'appel pour salat al-Jum'ah, alors dépasser vers le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme Abu Mufassir ibn Isliqli, c'est khutbat al-Jum'ah qui Allah subhanahu wa ta'ala fait prescrire chaque vendredi afin comme un rappel pour bannir les musulmans pour sa khutbat, afin de rappeler son obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans plusieurs hadiths, il demande nous valer notre Jum'ah. Afdal al-ayyam, plus meilleur des trois jours. Khayr al-yawm tala'at 'alayhi ash-shams, meilleur jour que le soleil fut élevé pendant sa journée. Le meilleur jour qui existait dans cet univers, dans la terre, c'est yawm al-jum'ah. Et Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, bien pour nous, pour nous, une chose spéciale. Que Allah subhanahu wa ta'ala fait pendant sa journée, fihi khuliqa adam. Allah subhanahu wa ta'ala fit créer Adam alayhi salam sa fille. Wa fihi ulqil al-janna. Allah subhanahu wa ta'ala fit créer Adam alayhi salam la janna zouan fiji. Wa fihi ulqil al-janna. Et Allah subhanahu wa ta'ala fit créer Adam alayhi salam depuis la janna. Et il envoie pour la terre, depuis de la terre, sa même zouan fiji. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit: wa la taqoum sa'atu illa qiyamat maqwa. Excepté un jour vendredi. C'est pourquoi que le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est pour nous. Il fait dans aucune semaine quand on arrive sous vendredi, quand le soleil est levé le matin sous vendredi, excepté que toute ma créature se perd, excepté que toute ma créature se perd la prière. Attention, qiyamat maqwa. Aussi, qiyamat maqwa qui veut excepté un jour vendredi. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bijiya al-jum'atu ila al-jum'ati kaffaratu lima baynahuma ila ijtinabi al-kaba'ir. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, li donne un grand cadeau umma Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui a travaillé 20 jours jum'ah régulièrement chaque semaine. Allah subhanahu wa ta'ala lui donne un jour de la iman l'occasion pour lui bénéficier pendant et miséricorde Allah subhanahu wa ta'ala chaque vendredi. Quand il dit al-jum'atu ila al-jum'ah, un vendredi jusqu'à l'autre vendredi, kaffaratu lima baynahuma, alors c'est un moyen pour qu'un jour lui bénéficie pendant Allah subhanahu wa ta'ala. Où se mentit ce qui lui promet? Où se mentit il y a qui est arrivé au mètre pendant la semaine? Il a dit qu'il va être capable, à condition que cette monde-là lui préserve, lui compte, va le compenser. Va le baisser grave, va le camirer à bonheur.
à condition que ça nous soit donné les erreurs qu'on va confesser, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne-nous l'occasion de nous bénéficier pendant les miséricordes pour nous bâtir les liens qui nous arrivent comme nous pendant la semaine. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans plusieurs hadiths, lui demandez-vous comment un djimoun a agréé sous Jumu'a de bénéficier pendant Allah subhanahu wa ta'ala. Jusqu'à même, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit où ça ne va qu'il y a un djimoun. Fali-pé-bin sur la tour Jumu'a. Où ça ne va qu'il y fait. Allah subhanahu wa ta'ala lui écrit où ça djimoun là. Amalu sanadik qiyamiha wa suyamiha wa qiyamiha. Allah subhanahu wa ta'ala lui écrit où ça djimoun là. Où ça ne va qu'il y fait. Fali-pé-bin vers la case de Allah subhanahu wa ta'ala. Fais sur la conjumance un an qui va être soit suyant et priant. Veux dire, vous savez pas qu'un djimoun qui peut faire pour lui faire sur la conjumance, lui gagne un an de récompense. Qu'on passe à djimoun là continuellement. Lui fait droit de rosa et lui fait faire sur la. Lui fait droit de rosa pendant la journée, lui fait faire sur la pendant la nuit, un vide, lui gagne une récompense continuelle. Vous savez pas qu'il va faire un an. Donc ça c'est notre première énorme qui Allah subhanahu wa ta'ala les fait prescrire pour sa combattre à travers sa joie spéciale qui appelle le Jumu'a. Et qui rassemble Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et dit « Adolf Allah man kana qablana » Allah subhanahu wa ta'ala dit « Laisse les gars regarder » Il dit « Les gars, pas une petite avant nous » concernant sa joie de Jumu'a. Il y a beaucoup dans le sac. Alors, ben, je se prend samedi. Voilà, la soirée, il y a un ahad. Ben, la soirée, ben, chrétien, je suis prend dimanche. Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, il fait guillou. Veillez à sa jour spéciale. Il y a payé un bon jumu'a. Alors, Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, n'est-ce pas, il y a un dunya. Nous venons après. Nous venons dernier. Mais c'est moi qui m'avance le truc. Parce que Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit, tout veillez à votre alors qui va nous suivre après samedi, demain. Et va le chrétien qui n'a fait encore demain, dimanche. Allah subhanahu wa ta'ala, il guide nous, il fait nous une première, et jour par jour. Comme ça même, nous sommes au balour de notre nous pouvons très bien jour par jour, al-Mahdi, baynahum, baynahibad, nous pouvons très bien, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, nous fait suivant le nom, et nous envoyons, incha'Allah, dans son papier, si vous faites plaisir à nous, grandement désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, et si vous bénéficiez, pardon, les miséricordes d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous nous battez maintenant, vous nous battez à l'ouest, parce que tout le monde est là maintenant, tout le monde fait des réels, incha'Allah, on fait bien Allah subhanahu wa ta'ala, nous pouvons très bien, qui Allah subhanahu wa ta'ala vous usez, et vous envoyez vous le maradis. Sans doute, frère son islam, ben, Fabien Paré, l'Ibadi qui s'est gagné aussi facilement. Mais il n'a pas de principe, il n'a pas d'étiquette, il n'a pas d'adabre. Qui Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui fait nous enseigner. Ben, adabre, qui Allah subhanahu wa ta'ala qui nous prescrire, afin qu'il prévoie un djinn. Il bénéficie de sa manfaveur énorme qui Allah subhanahu wa ta'ala fait une réservée pour sa commande là concernant les jours des vendredis. Et quand il propose les jours des vendredis, c'est la cause, sa ibadah spéciale qui Allah subhanahu wa ta'ala fait une prescrire dans sa soudra, salat du Jumu'a et khutba. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait une qualité de l'homme à dhikra de ma belle. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith qui enseigne sur un adab. Dans un point de sur un hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit man ihtasala yawm al-jum'ah. Celui qui revient en un temps de jour de vendredi. Veut dire premier adab pour nous bénéficier de sa miséricorde et pendant Allah subhanahu wa ta'ala. Les jours de vendredi, à travers sur la tour Jumu'a et khutba avec Allah, manifesta salaire au Jumu'a. Un bain. Et quand il propose un bain, veut dire un rousle complet. Et à casser avec ça, veut dire nous purifier nous et nous enlever toutes les choses qui nous supposaient enlever nous les mots.
même qu'il n'est pas obligatoire, mais aucun hadith authentique de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui Rasulullah Hassan Tibé, pour aller voir CV sur les cours, ou bien il se pétaille sur la zone 53 dit, mais c'est mort énorme. Hadith, il y en a Afa, les Ban Sahaba, qui va là régulièrement de Tibé, ça compte de Tibé. Il y en a Afa, les Ban Sahaba, qui régulièrement de Tibé, ça compte de Tibé. Mais il y a un Jum'a, c'est lui qui prend un bain, les jours de vendredi. Et ensuite il fait purifier sur la bouche. Il fait servir le soir, ou bien s'il fait dans le soir, il servit une grosse ardeur dans le Christ, il fait purifier sur les dents, sur la bouche. Ou à massa, il fait. Et il fait pour affaiblir. Il fait pour affaiblir. Il gagne à rien d'un bouche, s'il n'a pas fait. S'il n'a pas fait, il fait pour affaiblir. Et jusqu'à quel point Dieu va recevoir à ça, il dit est-ce qu'il n'a pas fait? Alors, le grand bon fait sur madame, il pour affaiblir. Et là, nous pouvons ressortir. Enfin, nous pouvons dire pour finir, vous vendredi, vous pouvez venir sur la tour du Mahan. Il est spécialement pour m'empêcher. Non, pas pour pas madame, attention, mais madame, à croire qu'ils ont eu ce pour finir avec l'enfant. Et pour gagner l'enfant, il faut partir avec l'or. Quand vous êtes étranger, bien sûr, vous pouvez venir sur la tour du Mahan. Et attendre qu'il fait pendant un mois sur un amour à ta là. Non, à vous voler à la traîne, une fois qu'on trouve une madame. Et une fois que les trouvent madame, elle arrive à la masjid, elle arrive à la case de l'Ansoumane en Ouattara, et il y a une bonne fête avec sa madame-là. Poliment, il adresse sa madame-là, et c'est l'idopine de l'enfant à la cause pour toi, le masjid. Sa madame-là qui dit oui, parce qu'il pensait que j'ai confiné par le masjid, la case de l'Ansoumane en Ouattara. Après, vous voyez, il y a un ami qui dit à sa madame-là, arrête-toi la case. Récrite-toi la case, arrête-moi un bain. Voici donc une dame des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Aïe yom ra'atin d'adwaï yarak »« N'y a pas qui est madame qui fait pas finir »« Kharaja qui l'a compris » et il fait sortir en public « Liyadjidou min rihaha » et sorti sur les conseils qui est activé avec sa parfum qui dit « Mettez là »« Vahiyya zaniya » sa madame là qui est considérée comme des médecins avec tout le décor qui est attiré dans elle. Le hadith François Hassan dit « Wa kullu aynin zaniya » chaque décor qui est attiré vers sa madame-là, c'est un décor des zina. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'y pas pour accepter sa madame-là ce soir-là, aussi longtemps que sa madame-là n'y pas pour un bain, pareil, il va lui prendre bain après qu'il ait gagné la société avec son chien. Donc ça c'est quantité. Oui, bah, madame, elle n'a pas fait spécial. Mais madame est un prophète spécial qui dit pas un anneau de faux avec lui, mais un prophète faux avec lui qui attire des corps. Ça, quand il est prophète là, il vient ici pour la madame. Mais non pas un prophète qui a un prophète faux qui attire des corps. Bien sûr, quand je vais voir ça en public, il dit qu'il n'y a pas aucun madame qui met ça et son chant de lui. Dans sur la case, avec son mahram, il gagne pas aidé. Mais en public, il n'y a pas. Ensuite, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit ولم يفهم أحسن الثياب ساجي من دا أمر كل مسومين يبي يبي يكشف على بس يبي يبقى فين ليف يبي يسومين يبي مو أو بيا إن قومي سومان بيا بيت مو يبي إن قومي سومان بيا بيت مو ثم خرج إلى المسجد ensuite il sortit du vide de la case de Allah subhanahu wa ta'ala ensuite il sortit du vide de la case de Allah subhanahu wa ta'ala et dans la maison dans la hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il montre nous quand il dit qu'il est sorti pour lui vider la machine il n'est pas sorti pour aucun autre but aucun autre objectif aucun autre l'esprit ni bien l'intention de son esprit excepté pour lui vider la salade pour lui vider les appels de Allah subhanahu wa ta'ala et pour lui vider les péchés avec affaire avec Allah subhanahu wa ta'ala avec l'ikhlas total et absolu pour plaisir et satisfaction sur l'âme Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, ils sont venus venir voler à Boubakira. Ils viennent vous voler avec la tâche de l'Ansou Khan et Mouadala. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les fait vous voler qui, spécialement, vous montrez dans la manche. Et dans la manche, il déboute de la robe, masjid, avec un résiste. Ce qu'on résisterait, le nom de tout bandimon qui fait venir vers les rappels de l'Ansou Khan et Mouadala. Et c'est lui qui est venu en premier. Il y a une récompense pour quoi nous les sacrifier un château. C'est lui qui vient après, il y a une récompense une vache. C'est lui qui vient après, il y a une récompense un cabri, un poule, un gisèle. Et il descend, il baisse derrière comme ça. Mais c'est lui qui vient en premier, sa récompense lui beaucoup plus. C'est ce qui finalement, quand l'imam qui montre au miroir, pour lui faire le Jumu'ah,
sabe aonde se faz o exercício de exercer e de escutar o corpo de escutar a palavra de Deus na nossa vida. Veja que não comprou, veja que ele vem até que ele manda como se for papa, alô, não faz um exercício de exercer especial de exercer. Mas veja que isso não é falar de uma, não, mas não faz um exercício. Il y a des paroles du mal, mais c'est dans notre nom qu'on va résister dans sa résistance spéciale et vous présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit « Wa lam yatakadda bayna riqabi nas » Ça qui nous permet de commenter, il dit « L'Ipa passe entre ma sépole, ma frère » Mais Dieu qui passe sépole des frères et il passe entre eux, bien il y a six entre eux. Et ensuite, notre ami dit « Dernier, il est l'imam ». Ça dit « Il faut se dire plus près qu'il est capable avec l'imam ». Ça dit « Il faut se dire plus près qu'il est capable avec l'imam ». Ça veut dire « Laisse plus près qu'il est trouvé ». Le premier sens, c'est la place. Il remplit la place là. Et il faut se dire plus près qu'il est capable avec l'imam. Si il y a la place dans le premier sens, il y a le légien. Si il y a le légien, il y a le troisième. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam le hadith qui dit avec son sahaba et si vous êtes pas fait à sa femme et vous m'avez pensé à sa femme alors t'as souffrouna kama ya souffre le malalika et si vous êtes pas fait à sa femme et vous m'avez malalika m'avez pensé à sa femme un sahaba dit ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mais moi m'avez pensé à sa femme alors je dis mouna sa femme je complète premier sa femme ensuite mais la place de la première, je t'avais des chiens. Ensuite, je t'avais un troisième. Et je n'ai pas mis place dans sa fille avant que sa fille pour les lire. Et le hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fait nous connaître. Mais là, un crime n'y est pas. Il y a un djimoun qui fait. Mais là, un crime n'y est pas. Il y a un djimoun qui fait. Il pense à djimoun là, il trouve une place libre dans sa fille pour les démons. Alors, il va lancer une ville, remplir sa place qui est dans sa fille pour les démons là. Ça même crime n'y est pas. Il y a un djimoun qui fait. Dans le zaman hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il demande du'a pour un qui dans le premier sac. Il demande du'a pour un qui dans le premier sac. Quand ça va pas déjà, Rasulullah, un qui dans le deuxième. Rasulullah sallam, redemande du'a pour un qui dans le premier. Deuxième fois, ya Rasulullah, un qui dans le troisième. Il redemande du'a qui dans le premier. Troisième fois, ya Rasulullah sallam, un qui dans le troisième, dans le deuxième. Ensuite, Rasulullah sallam dit, ya Allah, un qui dans le deuxième aussi. Donc ça, entre nous, frères en islam, fallait l'importance et discipline que l'islam nous enseigne nous. Que l'islam nous enseigne sa humaine. Comment un djimoun qui remplit ça dans la case de Allah subhanahu wa ta'ala et qui va quitter place pour des bons, aussi longtemps qu'il sache qu'il va des bons, va remplir, il va aller vers ça qui va les dire. Ensuite, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lui dit à un swada, lui reste tranquille. Il reste tranquille et il écoute le khutba de Juma. Il écoute le rappel de l'imam et la bouffée. Voilà, il y a le bout. Et il n'y a pas l'esprit distrait à prendre un peu de quoi. Pendant qu'on parle, il n'y a pas l'esprit distrait à prendre un peu de quoi. Il n'y a pas l'esprit distrait. Jusqu'à même dans le hadith, François Sassan, il dit Astal Hassan, Fakad Lava, c'est lui qui fait jouer avec un rose. C'est lui qui fait jouer avec un rose, Fakad Lava. La masjid Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu es dans la terre, tu es dans le sac, tu es dans le tibos. C'est lui qui prend un tibos pour tes yeux pendant le combat du mois. Ça aussi, il fait faire un désobéissance. Il fait une chose inutile qui va te servir. Et le jour, il est dans le rose. Et le jour, il trouve une moquette. Alors parfois, tu prends un frère, il fait jouer avec une moquette. Il ne peut pas se passer la main de la moquette, il fait jouer avec une fille. Ou bien il fait jouer avec son linge. Ou bien il fait des statistiques avec n'importe quoi. Ou bien dans la masjid, il trouve un frère. Sunna, oui. Sunna, vous donnez le parfum, vous commandez à ce parfum, mon frère. Mais c'est toujours du mal, parce qu'il est recommandé tous les parfums. Alors, vous pouvez mon frère, quand l'imam, il peut faire, pour ne pas l'imam, il va, alors il peut porter à ce parfum, c'est mon frère. Ce sont toutes distractions. Oui, il peut faire un sunna, mais c'est moi pour faire un sunna, il y a des haram. Donc, on a dit avant du mal, avant pourquoi ? Pardon, il y a pourquoi ? Alors, il n'y a pas aucune distraction. Jusqu'à tel point que Rasulullah Hassan dit qu'un djimoun qui fait causer. Un autre frère dit qu'il n'a pas causé. Ça, c'est lui qui dit qu'il n'a pas causé là. Lui aussi, il commet un travail, il commet une désobéissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, un soit il reste tranquille jusqu'à qu'il soit là qui termine. Jusqu'à qu'il termine ce soir là, Rasulullah Hassan dit qu'il y a là où sa djimoun a son récompense, qu'il y a frère. Les gars,
ligay bodo ma baina ha wa baina jumu'ati allati qablaha ligay bodo avec Allah subhanahu wa ta'ala utus in komet on sa jumala et tu pas qui t'en fait c'est dans Allah donc ça montre nous frères en islam comment un timoun lui bénéficier sa main miséricorde et sa main bodo Allah subhanahu wa ta'ala étape par étape on s'est allé sur le sol à car et bien même s'est allé préparé pour lui sortir sur la car et s'est allé terminer sur la tour du mois de Allah subhanahu wa ta'ala et de nous en faire pour nous bénéficier avec sa main faveur et nous mettre en pratique sa main conseil des Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam afin que régulièrement chaque vendredi nous bénéficier avec la faveur de Allah subhanahu wa ta'ala. وصلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li fait connait soit le jumu'a il y a une obligation le sac un musulman il y a une obligation le sac un musulman excepté cinq catégories excepté cinq catégories des bâtiments d'un musulman qui est exempté avec l'obligation soit le jumu'a Ibra un madame même qui n'est pas venu mais pas obligatoire son vie, un enfant qui part encore atteint l'âge de l'humilité, même qu'il est recommandé pour les vignes, pour qu'il y ait sa pratique, mais seulement il n'est pas obligatoire de l'olive. Ou un moussafir, un djimoun qui est en voyage, ou un mari, un djimoun qui est malade, ou un mamelouk, et un esclave. Un esclave, de nos jours payés dans l'île, mais à l'époque tient dans l'île, un esclave, soit toujours pas djimoun qui l'a couleur. À part sa cinq catégories de bains djimoun, et un imam, soit la tour du mois, il est obligatoire le sac un musulman, sac vendredi. Jusqu'à tel point, il reçoit le roi sur le roi pour aller, il va s'aller avec nous encore. C'est lui qui fait avant de trois jumas consécutifs. Il va y rendre sans aucune excuse, voilà. Sans aucune raison valable. Il faut dire qu'il va dire. Soit que tu ne parles pas obligatoire aux autres, qui m'en raison valable. Alors, celui qui abandonne trois soit que tu m'as sans aucune excuse, Allah subhanahu wa ta'ala, l'esprit est écrit à Sajjimoudla, tout y va, bien à l'inaféri, comme il m'a l'hypocrite. Mais dire à dire Sajjimoudla, bien à l'hypocrite, c'est sur le terre. Dans l'autre hadith, il dit à Dubia à la colbi, Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a dit scellé, le dégué à Sajjimoudla. Allah subhanahu wa ta'ala, il va sceller le léguer à Sajjimoudla. Tellement, sur la vie de Jum'a, il y a une chose importante, mais pas dire, qui Jum'a est l'un des soins de Jum'a. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, « Khayru ayyamikum, meilleurs jours, c'est jour Jum'a, fa akthiru fiha as-salat alayhi. » Alors, dans sa zone de Jum'a, même que tous les jours, il recommande que nous envoyons maximum salat, la paix et bénédiction de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais spécialement dans sa jour, Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit « Akhiru » en envoyant encore plus la paix et bénédiction l'eau le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit « Fait-moi man kara » c'est lui qui lit sur la Kahf, sur la 18, c'est lui qui lit sur la Kahf, sur Jum'a. Allah subhanahu wa ta'ala, il donne sa jimouda à la prière. Allah subhanahu wa ta'ala donne sa jimouda à la prière à travers sur la Kahf qu'il vit lire chaque vendredi. Il y a un lumière qui est éclairé pour lui entre sa Jum'a et Jum'a qui vient après. Il éclaire sa jimouda, donne sa jimouda à l'éclairage de la guidance et l'éclairage. Saint Jumaat ou Vit Jumaat. Après, le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit « Yaman Maja, Yaman Jumaat » Celui qui vient arriver, il vient arriver, il mort pendant les jours de Jumaat. Alors, l'aïlat al Jumaat ou bien la nuit de Jumaat. Et quand il fait cause, la nuit de Jumaat, ce n'est pas ton nom. La nuit de Jumaat finit traversée, qui est soir. Lorsque, pour l'islam, la nuit vit avant les jours. Une fois qu'il soleil poussé, le fil rentre dans le vendredi.
et comment cela est poussé à Zodji, à l'Olympe Mandasanti. Mais Mada, celui qui vit beau pendant les jours de Juma, bien la nuit de Juma, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit à Wobéa, fitnat al-Qabr, Wobéa al-Adab al-Qabr, Allah subhanahu wa ta'ala, l'Iglésia de Sajibunda, contre fitna al-Qabr, contre punition al-Qabr. Sans doute, il faut bien dire qu'il vit beau dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala avec l'Iman, non pas dire qu'il vit beau le couf. Pour le chiffre, pour le bien pour le haut, dans rébellion vers Allah subhanahu wa ta'ala, même qu'il est capable de la main de mort, même qu'il est capable de la main de défaillance, il est capable de la main de laisser aller un pas de tirer, sans doute tout du monde est dans sa main de dire, mais seulement un petit peu qui veut faire zéro, pour vivre dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, avec son accord comme il est dans. S'il n'arrive pas, il laisse sa famille, il est beau, sous ton fétiche, il est l'ami de mon fétiche, Allah subhanahu wa ta'ala, il préserve sa dignité là, pour en finir chant en bas. Allah subhanahu wa ta'ala, il donne nous une faveur spéciale, il donne nous un moyen à t'offrir, de nous bénéficier avec sa faveur spéciale. Allah subhanahu wa ta'ala, il préserve l'iman, il préserve l'islam, il préserve l'obéissance envers lui. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait nous gros comme un mu'min, comme un muslim. Allah subhanahu wa ta'ala, il délivre sur le Qiyamah avec une main de celui qui dit qu'il faut vivre et qu'il faut dans son obéissance. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il coordonne nous pour nous avoir droit d'un erreur, droit d'éfaillance. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il prépare pour nous une place spéciale dans ce diable de l'Occident, une place qui tient proche à Jésus-Christ, lorsque nous voir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, va finir sur ce.